Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis dans le Haut-Rhin pour la Furéaille Walk organisée par Anna et le CEJA. Alors c'est une marche internationale avec des Japonais, des Français qui les accompagnent et donc on fait une petite marche entre Kintzheim et Rigvir. Suivez-moi. Première petite dégustation de Pinot Gris de Best Time. On va voir ce que ça donne. Franchement sympa. Allez, on va un peu continuer à marcher parce que ça va pas faire de mal en ayant bu un peu. Deuxième petit arrêt, cette fois-ci on goûte un Riesling. Et c'est délicieux. Que serait une sortie en Alsace sans manger une délicieuse choucroute ? La Furéaille Walk, c'était un événement comme on a fait aujourd'hui. C'était faire voyager nos clients japonais dans des pays étrangers. Ça a commencé, c'était il y a 10-15 ans. On a fait les premières marches en Chine, en Allemagne. Et là, ça faisait une dizaine d'années qu'on avait mis un petit peu le projet en pause. En 2015, on a, après les attentats de Paris et après les clients japonais commençaient à fuir un petit peu la France et l'Europe, on voulait relancer un petit peu quelque chose, redonner une activité, une belle image de la France, de ce que c'était. Et on a proposé l'Alsace donc pour refaire ce projet, pour refaire la marche l'année dernière en 2016. Ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de bons retours et puis pour cette année, la deuxième année de suite, on a relancé la machine et cette année encore, ça a été un succès. Les premiers retours sont bons, il reste encore quelques jours avant de rentrer au Japon, mais on attend de bons résultats encore. Pour la suite, on prévoit l'année prochaine au mois de mai, on aura une autre marche, pareil en Allemagne,
Et puis bah après, certainement, on continuera encore certainement tant que nous, on pourra le faire, à faire d'autres événements comme ça. Et voilà, la Fury High Walk de cette année s'est terminée. J'ai passé vraiment une super journée. Malheureusement, ça n'aura plus lieu l'année prochaine en Alsace, mais ça reviendra sûrement peut-être un jour. Alors, je vous dis à la prochaine. Matane !